Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Blox Foot, c'est le moment quotidien de notre aventure dans ce jeu magnifique. Et aujourd'hui c'est un gros jeu les amis, parce qu'une nouvelle mise à jour vient de tomber dans le jeu. Ce qui fait qu'il y a un nouveau fruit juste là, le Kitsune. Ha ha, on va l'acheter, oui. Et oui les potos, vous êtes plusieurs à me dire dans les commentaires que la nouvelle mise à jour est totalement crazy. Et que le fruit Kitsune qui est juste là, totalement crazy en PVP à ce qui paraît. Mais bon, je tiens à vous dire que j'ai débloqué la V4 de ma race, regardez ça. J'ai le Awakening juste là, et le truc c'est que j'ai fait une vidéo dessus, mais je vais la sortir demain. Parce qu'aujourd'hui, je veux sortir la vidéo sur le Kitsune parce que ça a l'air super intéressant. Alors, demain, vous allez voir une vidéo que j'ai record hier, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, la première chose à faire, comme vous le savez déjà, Blox Foot Gacha, achetez un petit fruit parce que peut-être on va avoir le Kitsune ici, on sait jamais, hein? Ouais, Ok, c'est bon, tranquillo, relaxo. Alors, je vais aller faire un raid dans quelques instants. Mais ouais, je vais aller acheter le Kitsune Food juste pour le plaisir. Donc, j'ai une tonne de Robux. Je vais le faire les potos, on l'achète permanent. J'ai envie de jouer avec ça et vous montrer ça a l'air de quoi. Alors, on l'a fait les amis. Mais avant tout, je vais compléter des petits raids et... Oh, yo, regardez ma queue. Donc, le premier skill que j'ai, c'est A Curse Enchantment. Ouais. Oh, c'est vrai. Faut que je le masterise au complet jusqu'à masteriser The Full Moon Hands. C'est la première fois que je vois ce message. Je ne me donne pas le choix à mon petit donut. Super Saiyan Bankai. C'est la fin pour toi, last resort en plus. Oh, je suis tout puissant, mon petit pépito, tu peux pas me toucher. Oh, j'ai pas le gros capot sur lui. Oh mon dieu, yo, regardez la VK de mon bonheur. On dirait que je suis Dracula ou quelque chose, mais je fais peur. Alors, j'ai complété mes deux raids, j'ai 81 000 fragments, j'en ai tellement. Et j'ai oublié d'éveiller les skills de mon flame fruit. Il m'en manque deux, les amis. Ah, mais regardez ça, il y a un de mes abonnés, Johnny974. C'est cette personne qui m'a aidé à V4 ma race la dernière fois. Vous allez le voir demain, il est super gentil. Alors, il est venu me voir. Alors là, je vais lui montrer quelque chose. Attendez une seconde, c'est vrai. Voilà, equip. Regarde ce que j'ai, mon petit Johnny. Regarde. N'est-ce pas magnifique? J'ai discuté un peu avec mon abonné et puis je lui ai dit au revoir parce que je dois maîtriser le Kitsune Fruit qui est juste là. Et puis regardez ça. J'ai deux queues maintenant. Je sais même pas pourquoi j'ai deux queues. Wow! Regardez comment je cours comme un chien. Ou devrais-je dire un renard, parce que je sens que je suis comme Naruto. Alors, si je regarde à droite, je vois Two Tails et la barre se remplit. Attends, si je n'ai pas d'actif. Est-ce que ça se remplit quand même? Ma boy, tu peux pas me rattraper! Wow! Regardez quand je dash, c'est tellement beau! I like this! Même bon instant, je dois m'en fuir! Yo, les amis, le petit Léon Paris me cherche vraiment, il veut m'affronter! Alors là, je suis dans une zone safe, tu peux plus me toucher! Prends ce fruit! Ma boy, prends ce fruit et tout va être tigidou! Qu'est-ce que. Runner! Il dit que je suis un mec qui s'enfuit. Mais regardez ça. J'ai juste ceci. C'est sûr que je m'enfuis. Vous croyez vraiment que je vais me battre? Là, j'ai trois queues. Est-ce que je suis encore plus rapide? Hey, yo, est-ce que c'est moi ou bien il est encore plus rapide que moi? Ce gars-là. Il m'attend. Il croit que je vais aller l'attaquer, voyons donc quoi. Si je change de fruit à Portal. Parce que là, je vais aller détruire Big Mom, là. Donnez-moi une seconde. Elle se retrouve au Cakeland, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça que je peux bien masteriser... Ah, je me suis trompé d'endroit, c'est pas vraiment au Cakeland, peut-être au Chocolate Land. Mais bon, c'est autour d'ici, c'est pas si pire, c'est juste là. Alors, si je reprends le Kitsune Fruit, est-ce que j'ai encore mes trois queues? Et là, ça coûtait 4000 Robux, c'est combien en dollars canadiens cette affaire-là? 50 dollars canadiens à peu près, je suis pas sûr. Oh, je reviens à One Tail! Ah, ok, bon ben... En tout cas, je dois le maîtriser, ben c'est pas grave. Fais attention, mon petit chien envenéneux, faut pas détruire Cake Mom tout de suite, attendez. Ouh, je crois que c'est correct là. Alors là, donnez-moi une seconde, on va aller dans le shop. On va aller chercher mon fruit qui est juste là. Et attends, c'est vrai. Bap! Il faut que je le déséquipe. Et là, confirmé, voilà. Est-ce que tu es prêt, mon petit Martinez? Oh my, one more. Shit de... Ah, je peux pas utiliser mon attaque, attendez. Hackers and Chairman! Ça a pas l'air de marcher. Oh, ok. Hé, hey, je peux la gripper? Oh, je savais pas! Regardez ça! Wow! Ok, non, cette animation est super méga ultra nice. I like this. Attendez, on va tenter de l'utiliser quand des petits bonhommes qui sont là. Et en plus, j'ai débloqué quelques attaques par-ci par-là, mais j'attends que le texte défile. Donnez-moi une seconde. Prends ça, mon petit Maltino! Yo, je le knockback en plus avec cette affaire-là? Oh my god! Regardez ça! Wow! Yo, c'est moins bien, c'est meilleur que le God Human. Attends, Pépito? Ben ouais! Ok, d'accord, donc, A Curse Enchantment!
Ok. Tales of Burning Agony. J'ai quasiment rien vu. Foxfire Disruption. Oh my god, je sens que je vais adorer utiliser ce prix, les potos. Attendez, The Tales of Burning Agony, ça ressemble à quoi? Ça a l'air nice, pas vrai? I like this. Nous avons un gros problème, les amis. Nous sommes deux sur Big Mom. Alors là, est-ce que j'ai le temps d'échanger à mon kitchen et food? Attendez, de cette façon... Erreur? De quoi erreur? Non! Brandon! Oh my god! Stop! Je peux pas passer par ces petits trous? Yo, le doute là? Attends, bro. Oh my god! Je crois qu'il veut se battre, le pépito! Ok, attendez. Où est-il? Est-ce que c'est moi ou bien? Oh my god, je veux pas me battre contre toi, frère! Je voulais vraiment pas me battre contre toi. Ok, attendez. Vous savez quoi? Je crois que je vais tuer Big Mom le plus rapidement possible avant qu'il revienne et qu'il me tue. Attendez. Voilà. Ensuite, je fais ça comme ça. J'utilise sur mon haki. J'ai tellement peur que le doute vienne. Comment ça, erreur? Can't you feel when you're in combat? Oh, parce que je suis encore en combat contre lui, c'est ça? Ça va mal, mon affaire. Non, ne détruis pas Big Mom. Non, non. Oh, perdu. Oh, non. Ok. On l'a détruit. Maintenant, je crois que je vais partir en vacances là parce que ce mec là, ça se voit qu'il me veut. Oh, c'est vraiment dommage. J'ai pas pu avoir Big Mom. Mais la prochaine fois, ça va être Tigidou. Oh, ok, c'est bon. J'ai level up mon skill. Je veux dire, j'ai level up mon mastery level. Je suis à 200. Alors, je peux faire Wild Assault. C'est quoi ça? Attendez, on va le tester sur lui. Oh, ok, je fonce sur ce bonhomme et je fais tcha-tcha-tcha. Mais est-ce que c'est un bon moyen de téléportation? C'est ce qu'on va voir. Donnez-moi une seconde. Si je mets ma souris ici, je sais pas si cela va marcher là, mais... Bon, il fallait garder le bouton, je pense. On va voir si je peux parcourir plus de distance si je garde le bouton. Oh! Et puis, est-ce que c'est moi bien j'ai perdu une queue? J'en avais deux tout à l'heure. Attendez, est-ce que... Si j'utilise un skill, je perds une queue. Ben, en fait, une barre... Oui, je perds un peu de barre alors. Plus j'ai de queue, plus je suis puissant. Est-ce que c'est comme ça? J'ai remarqué ça. Oh! Ok, attendez. Wild Assault! Ok, alright, c'est bon. Bon, je vais continuer à level up mon mastery de ce prix. Mais je vais arrêter de détruire les cake moms. Je crois que je vais aller faire d'autres quêtes beaucoup plus simples. Comme ça, c'est ça à 100% que je peux améliorer mon mastery. Parce que le cake mom, là, j'ai beau à server up. Dans 10-20 serveurs, des fois, je la trouve pas. Alors, je vais faire des quêtes ici. C'est beaucoup plus simple. Mes offrandes sont juste là. Et là, j'ai remarqué quelque chose. J'ai fait un petit coup comme ça. Ensuite, ils sont comme empoisonnés, hein? Ben oui! Ok, alright. C'est bon. Donc, je tiens à vous dire que farmer avec Kitsune, c'est un petit peu dur parce que il y a beaucoup de knockback, regardez ça. Ces bananes se font repousser à longueur de journée. Des fois, ils sont en train de s'envoler comme un fou. Attendez, un petit gars, je vais voir si je peux les faire envoler. Le truc, c'est que quand j'utilise le fruit Bouddha, mes bonhommes là, ben en fait, mes ennemis, ils s'envolent jamais. Mais eux là, regardez ça. Ils s'envolent. C'est très très dur de farmer. Des fois là, ils s'envolent vers la mer. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est que je fais 4 coups. Et j'évite le 5e pour pas les knockback. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'utilise un skill. Ensuite, je recommence. 1, 2, 3, 4. J'utilise un skill. 1, 2, 3, 4. J'évite à tout prix d'utiliser le dernier skill qui est les knockback. Regardez ça. C'est celui-là. Ça peut rendre la tâche un petit peu plus dure, hein. Anyway, je suis Mastery 300. Je peux me transformer. Voyons voir ça a l'air de quoi. No way! Yo, c'est tellement nice! Ok, maintenant que je suis transformé, il n'y a pas de timer, hein? Je peux rester transformé à longueur de journée! Oh, c'est comme le free Bouddha, en fait! Ok, attendez, attends, must have max tails to transform. Max tails? C'est pas le 3? Mais j'ai 3 queues? Ça marche pas? Pourquoi il y a des bouboules autour de moi maintenant? Mais c'est quoi cette affaire-là? Oh, il faut que la barre brille, je pense! Ok, attendez! Est-ce que ça consomme la barre? Oh, ok, quand la barre se déplète, je ne peux plus... Oh, ils font mal. Ok, attendez, mon attaque normale, ça a l'air de quoi? Ah, ok, c'est la même chose, ok, tranquillo, relaxo. Donc, est-ce que je suis plus puissant quand je suis transformé? Je crois que c'est ça, hein? A Curse Enchantment, est-ce que ça change? Oh! Ok, ouais! Ok, attendez, Tales of Burning Agony. Oh my Jesus Lord! Foxfire Disruption! Attendez.
Ah, ça, ça n'a pas changé, je pense, hein. Et le White Assault. Ça a changé un tout petit peu, mais le Accursed Enchantment... Attends, je vais pas garder le bouton appuyé. Wow, c'est quand même nice. Et ça? Yo, c'est trop nice. Je peux comprendre pourquoi ce free peut être super puissant PVP. Je peux knockback mes ennemis à longueur de journée, mais là, j'ai été avoir quelque chose. Si j'utilise tous mes skills, comme ça, et ensuite, je me transforme. Est-ce que le countdown... Ah, 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 je suis pas au max. Attendez, là, je peux le faire. Ah, ok, je croyais que le cooldown allait reset, mais on dirait que non. Mais c'est quand même nice, regardez ça, mon bonhomme est trop cute. Je l'adore. Vous savez quoi, j'ai remarqué que chaque queue améliore mes capacités. La première queue, je sais pas elle fait quoi, mais je sais que la deuxième améliore mon dash. Et le troisième, ça fait en sorte que je peux sauter comme ça. Je sais pas si ça améliore autre chose là, mais regardez mon air jump là. C'est rapide. Et en plus, quand j'ai trois queues, je cours comme ça. Donc mon run speed est beaucoup plus rapide. Ok, alright. Alors là, il y a une île que je peux trouver, mais il me faut une pleine lune. Plusieurs d'entre vous m'ont dit ça. Vous m'avez donné beaucoup d'infos, mais il y a encore beaucoup de choses que je découvre. Mais regardez ça, c'est rapide. Wow. Ok, I like this. Mais il y a pas de pleine lune. Oh! C'est vrai qu'il allait me tuer. Il n'y a pas de pleine lune. Je vais changer de serveur, les amis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je trouve jamais de pleine lune. J'ai changé de serveur une tonne de fois et c'est toujours la nuit. Mais je ne vois que cette partie de la lune every time. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le temps est synchronisé dans chaque serveur? Comme, c'est toujours le même temps, même si je serve hop. Avant, c'était pas comme ça. Regardez ça. C'est la nuit. Et là, tout d'un coup, je vais voir encore la même lune. Attendez. Hein? Ok, alright, donc je peux plus jamais server up pour aller chercher une pleine lune dans un autre serveur. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Je vais tenter une dernière fois. Je sais pas si c'est vraiment comme ça. Peut-être que je me trompe. Mais on sait jamais. What? Really? Ok. C'est synchronisé, n'est-ce pas? C'est pas moi qui imagine, n'est-ce pas? Alors ça, c'est crazy. Je suis allé dans une tonne de serveurs. C'est toujours le même temps avec la même forme de lune. Alors, je crois vraiment que le temps est synchronisé dans chaque serveur maintenant. Oh, c'était pas comme ça avant. Alors, ce que je vais faire, c'est trouver du monde pour PVP. Je sais que j'ai pas les gears pour PVP. Et je devrais peut-être enlever ma cape. Et je devrais prendre quelque chose d'autre. Peut-être que je vais prendre... ceci, on va plus de dodge. Mais bon, en tout cas, on va trouver du monde pour PVP, juste pour plaisir. Je sais que je vais faire détruire, mais on va avoir du fun. Kaido Armario, je crois plutôt que t'es Saitama, mon frère. K.I.S.O. In. Hey, toi! On dirait que t'es un vrai bonhomme, mais t'es un genre de sangue ou quoi? Yo, est-ce que vous voulez PVP, guys? Allez, venez, guys! Ici! Oh, on va se battre, guys! Ils veulent rien savoir de moi. Hey, mon poteau, est-ce que tu veux fight? Please? My boy, you fight, please, Pepito. Non, je crois qu'il ne veut pas fight, mais je suis beaucoup plus rapide que lui. Regardez ça, comment je saute, comment je dash. Tu peux pas t'en faire de moi, mon frère. Je suis super rapide au presto. Bon, ok, il veut pas se battre. Moi, je veux pas me battre contre quelqu'un qui veut pas se battre. Oubliez ça, les brothers. Oh, est-ce que tu veux te battre? Oh, let's go! Je suis prêt! Transformation! Le caca! Attends. J'ai utilisé mon last... désolé, last resort là, mais... je suis en train de me faire détruire, les biades! Oh, what the... je vais pas te laisser partir! Wow! Je suis en train de faire n'importe quoi en ce qui concerne mes skills. Attends. Où est-il? Est-ce que c'est moi ou bien je l'ai perdu du... Bah! Je l'ai eu, les amis! Daizo! Yo, si tu reviens, on fait une autre fight. Mais laisse-moi me guérir, s'il te plaît. Yo, mon frère, est-ce que tu veux te battre? Hé! Hey! Non! Il a volé mon opponent! Oh, je peux pas. Non, vous savez quoi? YOLO, on y va, man. Je n'ai pas peur. Donc, watch out! Attends. Tranquille? Martinez! Bon! Je sais pas c'est quoi les combos de Kitsune, pour être honnête avec vous, là, mais... oh my god. Yo, le 2 est parti où? Je sais même pas contre qui je me battais pour être honnête avec vous. Est-ce que c'est ce mec-là? Ça a pas l'air d'être ce mec-là. Oh, c'est toi! Attendez une seconde. Attends. Curse! Enchantment! Tales of Agony! Oh my god, bro. Yo, attends, est-ce qu'il y a deux dudes? Oh, il y a deux dudes? Je sais pas, man. Mais bon, attendez. Oh, je vous jure, je fais n'importe quoi pour être honnête avec vous.
Et ma transformation. Oh, attendez. Je crois que je dois faire ça. Je crois que j'ai foiré mon coup, les amis, man. Bon. This is not good. What's my disruption? Ok, vous savez quoi? Bankai! Let's go! Ok, non, je suis en train de me faire détruire. Vous savez quoi? Même si j'ai mon Bankai, je crois que je vais m'enfuir. Je suis rien avec une queue. Oh! Ok, attendez. Je suis safe. Oh là! Ok, c'est bon. Il faut que je récupère mes vies. Faut vraiment que je pogne trois queues parce qu'avec une queue là, je me sens super faible. Et lui, il sait même pas contre qui je me battais tout à l'heure. C'est. Attends, Rob est noob, c'est ce qu'il a dit? Je l'avoue, je suis un noob, mais moi je dis pas le contraire. Alright, les amis, on va se battre contre eux! Let's do this! Je vais me transformer! Let's go! Donc, j'utilise un Curse Enchantment! Contre je ne sais qui pour être honnête avec vous. Attends. Maintenant, je suis trop rapide pour toi, mon frérot. Aïe. Oh. J'arrive pas à bien utiliser mes skills pour être honnête avec vous. Yeah! On l'a eu. Ok, attendez. Est-ce qu'on peut faire une petite bataille ici? Regardez. Oh, t'es en train de me glacer le sang, mon frère. Oh non! Attends, je crois que c'est un 2 contre 1, je pense. Hein. Je crois que le bonhomme que j'ai tué, il veut ma peau. Ou non? Attends. Oh. Ok, ça va mal, mon affaire! I'm so dead! Ah! This is not good! Il faut que je récupère des Billy Brothers! Kitsune? Oh, oui! That's it! Regardez ça! C'est super bon, n'est-ce pas? Alors, je cherche du monde avec qui PVP, mais personne ne veut PVP. Je sauve Rob depuis tout à l'heure, mais tout le monde est comme yeah, t'as Kitsune! Ah, t'as utilisé la carte de crédit de ta mère! Alors là, je suis comme ok, alright. Bon, en tout cas, alors je crois qu'on va se laisser ici parce que. Ouais, personne veut se battre et puis moi j'ai pas envie de les attaquer, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas jouer avec eux s'ils ne veulent pas jouer avec moi. Et s'ils veulent juste m'admirer, c'est grave et tout là. Mais bon, ouais. Je... Oh! What the hell is that? Est-ce que c'est Luffy cette affaire là? Wow! The pirates are raiding Castle Undersea. Ah, je vais vous dire quelque chose, je m'en fous pas mal de ça pour être honnête avec vous. Alors la lune, c'est pas une pleine lune ça. Alors je peux pas aller chercher l'île mystique de Kitsune Boy qui est juste là, c'est vraiment malheureux. Mais bon, je suis sûr qu'on pourra le trouver un jour. C'est juste que je crois que je vais abandonner pour l'instant, on va le faire la prochaine fois parce que j'ai beau attendre, la pleine lune ne veut pas venir. Je crois vraiment qu'on va prendre une petite pause les amis, on va se laisser ici. Oh wow. Enna, je sais pas qu'est-ce que t'es en train de dire là, mais bon. Ouais, je vais lire vos commentaires et de cette façon, je pourrais voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment trouver l'île facilement. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller dans la mer super loin, peut-être dans le danger 5, danger 6, whatever. Et ensuite, je peux trouver l'île lorsqu'il y a une pleine lune. C'est ce que vous m'avez dit, mais je voudrais juste confirmer avec vous. Alors, pour l'instant, on va se laisser ici. On continue ça la prochaine fois. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure demain. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez me dire. Comment trouver l'île mystique du Kitsune. Ça va être super génial. Mais pour l'instant, c'est bien amusé. On a masterisé le frais à 100% quand on l'a amené à Mastery 300. Et en plus, on a fait du PVP. On a détruit du monde. On s'est fait détruire. C'était magnifique. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, me suivre sur les réseaux sociaux, blabla, dès que vous les matchs, vous pouvez laisser votre amigo, et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!